Si vous êtes amateur de polar, si les faits divers vous fascinent, si vous aimez la médecine, si vous aimez la médecine scientifique, si vous êtes accro aux experts, pour tout ça en gros, en fait, c'est pour tout le monde, ce bouquin vraiment est pour vous. C'est un bouquin écrit par Jacques Pradel qui s'appelle « Police scientifique, la révolution » et qui est paru aux éditions Télémac. Alors Jacques Pradel, vous le connaissez sûrement, hein, c'est un journaliste qui a fait de la télé, de la radio, vous n'avez peut-être pas toujours aimé tout ce qu'il a fait, mais il n'empêche que dans le domaine des faits divers, de la justice et de la police scientifique, il est excellent et que c'est un bosseur. Et il a fait un bouquin qui est mais vraiment extraordinaire, il est passionnant. Gérard vous dirait que ça se lit comme un roman, mais c'est une réalité. C'est qu'il a, il vous explique tout ce que les sciences ont apporté à la police, tout ce que l'ADN, l'étude des insectes, enfin tout ce qui peut permettre, les empreintes digitales évidemment, tout ce qui peut permettre aux policiers ou en gendarmes, parce qu'en l'occurrence il s'agit des gendarmes, de résoudre un crime. Alors c'est extraordinaire parce qu'on apprend du coup énormément de choses sur la science évidemment, mais à chaque fois il y a des cas, des histoires dont vous avez évidemment entendu parler, l'affaire Flactif, la tuerie de Montfort, l'affaire de la petite Dickinson, voilà des tas d'affaires absolument monstrueuses et on comprend comment elles ont pu être résolues grâce justement à tous les éléments qui avaient été apportés par les experts. En plus on visite, Jacques Pradel nous fait visiter tout ce qu'il a visité, les labos des gendarmes, voilà, on est au cœur de ces services. C'est absolument fascinant, vous menez, en fait on suit vraiment les enquêtes, on comprend tout et on apprend même, et ça je ne le savais pas du tout, par exemple que les experts sont maintenant formés pour pouvoir aller témoigner et apporter leur science au tribunal, parce que s'ils disent pas, s'ils sont pas parfaitement béton, ils se font laminer par les avocats de la défense, et donc voilà, les experts eux aussi sont formés, enfin on apprend un nombre de trucs, c'est incroyable, c'est vraiment passionnant, voilà, je vous le recommande, Jacques Pradel, c'est chez Télémac.